Il a pris Jésus. He took Jesus. Jésus sur le temple. Up on the temple. C'est ça le temple de Dieu. Say, well, this is the temple of God. Il est écrit. It is written. Si vous m'adorez, il est écrit. Amen. Les anges du ciel. It is written that the angels of heaven. Il m'a expliqué la parole de Dieu. He explained the word of God. Satan explique toujours la parole de Dieu. Satan always explains the word of God. Mais la parole de Dieu, on ne peut pas les expliquer. But the word of God, you cannot explain it. Et Jésus dit. And Jesus said. Qu'il est écrit. That it is also written. Quand il a dit, il est écrit. When Satan said it is written, mon frère, my brother, my bruce, Satan lui a laissé. Satan released him. Satan left him alone. And he left. La Bible dit, the Bible says, résistez au diable. Resist the devil. Verstaan die devil. Il fuira loin de vous. And he will flee from you. En hij zal van jou wegvluchten. Résistez toujours. Always resist. Altijd weerstaan. Satan n'a pas de force. Satan has no strength, Satan no power. Geen kracht niet. Il fait seulement, il donne toujours seulement la peur aux gens. He's only scaring people. Hij maakt de mensen bang. Mais avec la parole de Dieu. But with the word of God. Met het woord van God. Nous sommes plus que vainqueurs. We are more than overcomers. Als meer als overwinnaars. À celui qui nous aime. By him that loves us. C'est pourquoi notre Seigneur. That's why our Lord. And that is why our Lord. Est passé dans cette tentation. Went through those trials. Et dit pour c'est pourquoi frère. And was successful. That's why brothers. Pour aller au ciel. For one to go to heaven. Voor iemand il faut descendre. You need to go down. Moet je afgaan. Pour aller en enfer. To go to hell. Om hel il faut monter. You need to go up. Moet je opgaan. Ça veut dire quoi? What does it mean? Wat betekent het? L'orgueil. Pride. Trots. N'est pas une bonne chose. It's not a good thing. Dat is niet een goede ding. Ne soyez pas une femme orgueilleuse. Don't be a proud woman. Moet je een trotse vrouw wezen. Or a proud man. Of een trotse man wezen. Soyez toujours humble. Always be humble. Wees la simplicité. Simplicity. C'est ce qui fait entrer les gens au ciel. That's what makes people to enter in heaven. C'est pourquoi dans le ciel. That's why in heaven. Il n'y a pas ces amis que nous allons entrer avec. We don't have these clothes. That's the reason why the Bible says la trompette de Dieu sonnera. That when the trumpet of God shall sound, les morts en Christ résisteront. The dead in Christ shall rise up. Et nous qui sommes vivants, and as the quick, nous changerons. We will be transmuted. Ça veut dire que ces habits ici, it means these clothes, ne peuvent pas entrer au ciel. Will not enter in heaven. Cet corps que nous avons. This body that we have ne peut pas entrer au ciel. Will not enter in heaven. C'est pourquoi il y a un changement. That's why there is a change to be made first. Il faut changer. And that's what we need to change. And that is what we need to humble. And be humble. And humble dans nos maisons. Humble in our houses. Humble partout où nous sommes. Humble wherever we are. Where are une femme humble. A humble woman. Een nederige vrouw. Een mari humble. A humble husband. Een nederige man. C'est ça le caractère de fils et de filles de Dieu. That's the character of sons and daughters of God. C'est l'esprit d'humilité. The spirit of humility. De geest van nederigheid. Cet esprit là. That spirit. Daar die geest. Vous fera convaincre. Will convince you. Et vous fera and will make you overcome the trial. And Job had passé dans les épreuves. Job went through trial. Job had deur verzoekingen gegaan. Il y a le temps des épreuves. There is a time of trial. Dat is een tijd van verzoekingen. Et les épreuves doivent finir. And also the trials will come to an end. Hoe daar die verzoekingen zal eindigen. Il n'y a pas de choses éternelles. There are no eternal things here. Il n'y a pas le péché éternel. You don't have eternal sin. Jij hebt die eeuwige zonde. Si vous ne vous repentez pas, if you don't repent, als je niet bekeert, votre péché va vous amener dans l'enfer. Your sin will take you to hell. So you shone your c'est pourquoi Job
a été testé. And Job was tested. And Job was tested. Vous devez être testé. Just like you must be tested. Notre Dieu ne teste personne. Our God will not tempt anybody. God c'est Satan qui vient pour nous tester. But Satan will come to tempt us. Pour voir si nous sommes les enfants de Dieu ou pas. See whether we are children of God or not. That's the reason why, brother. La tentation peut venir. Temptation can come. Les épreuves peuvent venir. Trials can come. L'homme, que chacun ait sa femme. Husband, let everyone have his wife. Et que chaque femme. And let every woman have her husband. C'est pourquoi. That's why. Les épreuves peuvent venir. Trials can come. Versuchungen kann kommen. Avec une femme mondaine. With a worldly woman. Mit der weltlichen Frau. Avec un homme mondain. With a worldly man. Mit der weltlichen Mann. Pour te suivre. That comes after you. But after que tu puisses commettre adultère avec elle. That you can commit adultery with her. Avec lui. Mir kann break. Résister. Resist. Verstanden. Resiste. Resist. Verstanden. Ne vendez pas votre corps. Don't sell out your body for money. Moenie jou liggaam vir geld uitverkoop nie. Aujourd'hui nous sommes mariés à Jésus Christ. We are a spouse to Jesus Christ. Vandaag ons verloop aan Jesus Christ. Il est jaloux de nous. He is jealous of us. Hij is jaloers op ons. Et nous devons être jaloux les uns les autres. And we must be jealous for one another. En ons moet voor je ne peux pas me laisser commettre adultère. I will not allow myself to commit adultery. Comme aujourd'hui je laisse ma femme au Congo. Like today I let my wife in the Congo. Je viens ici en Afrique du Sud. I come here to South Africa. Pour commettre l'adultère. To commit adultery. Om echt. La Bible dit, the Bible says, c'est lui qui commet l'adultère. He that commits adultery, c'est un insensé. He's a fool. As a dwarf. C'est un insensé. He's a fool. As a dwarf. C'est pourquoi je vous dis, mes frères. That's why I can tell you, my brothers. Si vous êtes mariés, if you are married, contentez-vous seulement de votre femme et de votre mari. Be happy only with your wife or with your husband. Ne dites pas que nous avons des girlfriends. Don't say we've got girlfriends. And girlfriend. What's your girlfriend? What girlfriend are you looking for? What are you looking for in that? To avoid que je connais sa femme, que je connais son mari, there is no boyfriend, no girlfriend. To go to heaven. Vous allez au Cape Town. But you go to Cape Town and you commit adultery. I tell you in the name of Jesus, if you are married, et vous avez commis l'adultère. And you have committed adultery. Tu dois te repentir à ton mari. You must repent before your husband. Tu dois te repentir à ta femme. You must repent before your wife. Pour arranger les choses. Stop au péché. On ne peut pas continuer avec le péché. To put an end to put an end to that sin. We cannot continue the sin. Le temps des épreuves. The time of trials. Joseph a eu le temps des épreuves. Joseph at times of trials. Chez Potiphar. With Potiphar. Mais Potiphar. Le femme de Potiphar. Potiphar's wife. Est venue le prendre même dans les habits. Came to even take him in the clothes. Comme la parole de Dieu. Like the word, since the word of God. Était en Joseph. Was in Joseph. Joseph a abandonné ses habits. Joseph left his clothes. Et il est parti. And he ran away. Not to defile himself. C'est pourquoi. That's why. Si nous sommes appelés. If we are called. By God. Les épreuves peuvent venir. Trials can come. Les temps des épreuves peuvent venir. Temptations can come. Souffrances can come. Je dois dire stop, femme. Stop. I say, woman, stop. Moi, je n'aime pas ça. Stop it. I don't like that. Résister. Resist. Et fuira. And the woman away. Quelle espèce de homme. What kind of a man is this? Quelle espèce de homme. What kind of a man is that? He's running away from the wind. Yes, that's right. You don't feel the wind. I must run away from the wind. And because it's the women that brought death. And what brought death is adultery. That's why I cannot do it. And a boy who is not married. And a young girl who is not married. Or a young girl who is not married. Must always keep the word of God. You cannot defy yourself with faith. If you are a widow, gardez toujours la parole de Dieu. Always keep the word of God. Always walk. Because Jesus is coming. Jesus is
coming. Jesus, when Jesus comes, when Jesus comes, Jesus comes, he's going to look. What is your life? What is the life that you live? That's why time of trials. Everything has got its time. There is a